Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Unfolder pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak le firmware 4.0+. Unfolder c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Cydia, qui est disponible sur la source de ModMy, gratuitement. Puis Unfolder, tout ce que ça fait dans le fond, c'est un tweak. Donc il n'y aura pas d'icône sur le springboard de votre appareil, il n'y aura pas plus d'onglets dans les réglages. Ça va être directement une application que lorsque vous l'installez, quand vous voulez supprimer un dossier sur votre iPod Touch ou iPhone, vous pouvez. Alors, ça va supprimer le dossier, puis toutes les icônes qui seront à l'intérieur vont le remettre sur le springboard de votre appareil, tout simplement. Fait que si vous avez beaucoup d'applications dans un dossier, vous serez plus obligé de toutes les déplacer une à la fois avant d'avoir la possibilité de supprimer le dossier. Mais dans le fond, il supprime automatiquement quand vous enlevez toutes les icônes de dedans. Alors, par exemple, si je veux supprimer ce dossier-là, j'aurai la possibilité, il y a un nouveau X dessus. Mais là, j'ai tout classé ici, fait que je veux pas tout mélanger. Fait que je vais m'en repartir un neuf. Alors, admettons, je mets des icônes dedans. Puis en passant, il est compatible Folder and Insert parce que j'ai Folder and Insert, puis ça marche pas bien. Alors là, j'ai mon dossier ici, qui a mes quatre icônes dedans. Puis admettons, vous n'aurez plein, là. Vous avez des pages et des pages, puis ça vous tente pas de tout bouger. Eh bien, avec l'application Unfolder, vous avez tout simplement la possibilité de maintenir ça, et il y a un nouveau petit X. Vous appuyez là-dessus, puis il va vous dire « Are you sure you want to delete a bookmark social? » Vous dites « Delete ». Puis là, il va tout remettre sur le springboard de votre appareil. Là, c'est juste qu'il y a un conflit avec Gridlock, parce que j'ai l'application Gridlock, qui permet de mettre toutes les icônes où qu'on veut sur notre springboard, comme une grille, comme si c'était un tableau. Alors, c'était pas plus compliqué que ça pour l'application Unfolder pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak it, le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isapro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur « Suivre » ou « Follow » en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro, merci.